Bonjour tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo. Alors je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait, notamment à Action où j'ai pas trouvé grand chose en nouveauté et un tout petit article à la Foire Fouille. D'ailleurs je vais commencer par celui-ci. Donc il s'agit d'une planche de tampons sur le thème de Noël, donc que j'ai trouvé au rayon de Noël, hein, pas au rayon des loisirs créatifs. Je vais y arriver, c'est le matin, je bug, je me dépêche parce qu'après je vais au travail. Donc je fais la vidéo en 5-7. Donc voilà, ce petit set de tampons. Moi j'ai beaucoup aimé la petite cocotte, la petite pomme de pin, là, voilà, je trouve ça très joli. Le poinsettia était joli aussi, donc je me suis dit pour 1,49€ ça vaut pas le coup de s'en passer, et puis ça permet de refaire un petit peu son stock parce que je sais que on est beaucoup dans ce cas-là à envoyer un petit peu nos créations un petit peu toujours aux mêmes personnes chaque année, et bon ben ça fait pas super cool de leur envoyer toujours avec les mêmes tampons, avec les mêmes motifs, etc. Donc 1,49€, ça c'était pour la Foire Fouille. Et on va passer directement à Action. J'ai repris des washi tape parce que je suis tombée dessus et je pense que je les ai pas, mais j'en ai tellement, donc c'est possible que ça fasse doublon, mais c'est pas grave. À partir du moment de toute façon où il y a des textes dessus, voilà, j'ai beaucoup de mal à ne pas les acheter. Et puis bon, bah, de toute façon avec des cœurs c'est toujours facile de les disposer un petit peu partout, et donc on connaît un petit peu tous le prix, hein, de toute façon c'est vraiment 3 francs 6 sous, je vais vous le dire tout de suite. Ils étaient à 89 centimes les 4 rouleaux, donc pareil, ça vaut pas le coup de s'en passer. J'ai enfin trouvé les alphabets pour ma Big Shot, voilà, donc ce que je voulais absolument, donc, c'est avoir d'autres motifs, parce que j'ai déjà des alphabets, mais bon, pareil, hein, à force de les utiliser, on tourne un petit peu toujours autour du même pot. Et celui-ci, ce que je voulais, enfin, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est que, en fait, il y a les chiffres aussi, hein, donc voilà, c'est super intéressant comme... comme produit, je trouve, parce que voilà, bon, déjà ce sont des majuscules, bon bah ça c'est souvent le cas, mais d'avoir et les chiffres et les lettres en même temps, c'est pas toujours le cas. Je vais vous donner le prix puisque pareil, hein, c'était pas très très cher, donc c'était 3,39€, voilà. Je suis tombée sur ces pailles en papier dans je ne sais plus quel rayon d'ailleurs, hein, c'était pas du tout au loisir créatif, mais j'ai beaucoup aimé la couleur et je pense que ça peut donner un petit coup de peps sur certaines créations, bah, pour cet été, hein, ou pour le printemps, etc. Voilà. Alors les pailles étaient à 42 centimes, donc voilà, encore une fois, hein, ça vaut pas le coup de s'en passer, on peut toujours remplacer sur nos créations, et puis bah, sinon on peut s'en servir traditionnellement en tant que paille, hein, si vraiment on n'est pas inspiré. J'ai pris ces petits rangements comme ça, donc il y en a deux fois deux boîtes, enfin il y en a deux boîtes dans chaque paquet, pareil, donc c'était vraiment pas cher, ça non plus, hein, je crois que c'était moins d'un euro, c'était même 74 centimes, donc franchement pour deux boîtes, quand on voit de temps en temps dans certaines enseignes le prix où on nous fait payer de simples boîtes en plastique, voilà, donc ça pour ranger des dice bien sûr, pour ranger des brads, des choses comme ça, c'est super super pratique. J'ai trouvé ceci que j'ai vraiment trouvé trop mignon. Alors il restait plus beaucoup de modèles, il restait celui-ci et il restait les grands très fins. Je me sentais pas trop inspirée par les grands très fins, donc je me suis cantonnée à prendre ce modèle-là. Donc on en a 8 avec, on a 8 petites jarres avec donc le petit bouchon, c'est vraiment trop mignon. Je vais vous donner le prix. Donc c'était 59 centimes. J'ai enfin trouvé, je l'ai cherché depuis très longtemps, et donc comme nous, comme d'habitude, hein, on arrive après la guerre, donc les feuilles adhésives version tableau noir A5, donc il y en a 12 dans la boîte, et voilà, je les voulais absolument, et je suis bien contente de les avoir trouvées. On a ici une petite idée de ce qu'on peut en faire, mais on peut s'en servir également pour d'autres choses, et donc celle-ci était à 1,16€, si je ne me trompe pas. Et voici pourquoi je vous ai fait cette vidéo, je voulais absolument partager ça avec vous. J'ai trouvé deux, alors je pense qu'il y en a peut-être plus, il y a peut-être plus de motifs, j'ai trouvé deux blocs que j'avais jamais vu encore sur les vidéos. Donc il y a du foil, hein, comme vous pouvez le voir, les motifs sont très très frais, et je voulais absolument vous montrer ça, donc je vais assez rapidement, hein, mais voilà, ça me fait beaucoup penser au... D'ailleurs, je pense que c'est un dupe, hein, un petit peu de tout ça. Ça me fait pas mal penser au bloc de stickers de chez Mambi. Je ne suis pas certaine que ce soit exactement dans le même style, mais voilà. Oui, je trouvais les motifs vraiment, vraiment super mignons. Donc ça, c'était pour le premier. Et le deuxième, alors celui-ci, c'était mon gros coup de cœur. C'est la version un petit peu sirène, plus axée sur...
oui, sur monde féerique, etc. Voilà, c'est tellement, tellement joli. Alors, c'est bien, c'est parce qu'il n'y a pas du foil sur toutes les pages, voilà. Mais par contre, on a des petites choses qui peuvent être intéressantes si vous tenez votre planeur ou quelque chose dans ce style, voilà. On a les jours de la semaine, on a... ah ouais, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, ça, c'est tout à fait le genre de choses qui me plaît. J'espère que je vais pas trop vite, mais bon, en même temps, je pense que vous allez commencer à les voir sur d'autres vidéos. Ah, ça, c'est super joli, là, les jours de la semaine. Trop mignon. Ah oui, et en plus, il s'accorde bien avec les papiers qu'on a eus il n'y a pas longtemps, justement, sur le thème, sur ce thème-là. Hop, je passe un petit peu vite, hein, je suis désolée. Hop, les dernières feuilles, les dernières pages. Ah, super chouette. Ah, je suis trop fan. La première qui est à tomber par terre. Voilà, et bien c'est ainsi que se termine ce mini haul. Plus j'y vais et moins j'achète de choses, hein, c'est rigolo. Et bah, tant mieux pour mon porte-monnaie, j'ai envie de dire. Et puis ben, écoutez, j'espère que vous trouverez également ces nouveautés si vous les cherchez dans votre action. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.